on nous montre à la télé sur Haïti à travers le monde, que je ne vais pas dire que c'est faux parce que ce ne sont pas des images inventées, mais j'ai envie de dire que nous n'avons pas que ça chez nous. Pas du tout. C'est même pas la moitié de ce que nous avons à vous proposer chez nous. Je suis Katie Jean, Miss Catherine Plon Haïti 2013. J'ai aussi représenté Haïti à Miss Africaine Internationale. Donc j'ai été élue première dauphine et Miss Union Africaine, donc je suis quatrième dauphine. Bonjour, je suis Madame Danger. Et bien aujourd'hui, on est en route pour aller à une expo sur Paris, dans le 10e arrondissement, sur Haïti, sûrement les Antilles en général, mais plus particulièrement Haïti. Donc en route! Bonjour, je suis Christelle Madalino Clénard, l'organisatrice de l'expo vente au cœur de l'art haïtien. Donc, je suis la présidente de ASA, Association Sourires Artistiques. C'est une association qui travaille au sein d'une communauté très artistique. Le but, c'est de promouvoir cette richesse qu'on a en Haïti, qu'est l'art de toutes formes. L'idée de faire cette exposition m'est venue parce que déjà je suis styliste, donc et de dire voilà aux autres, je viens à vous, puisque vous ne voulez pas venir à moi, mais je viens à vous, vous montrer ce que c'est que vraiment l'art haïtien. Dernièrement aussi l'exposition qui était au Grand Palais, je trouvais qu'il fallait quelques petites touches, donc c'est pour ça que j'ai fait une sorte de, je peux pas dire que j'ai fait une suite à cette exposition, mais j'ai essayé d'amener ça autrement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un défilé, qu'il y a eu beaucoup de petites prestations en fin de journée, donc ce qui a permis une grande ouverture de cette communauté, et c'est vrai que les gens ont répondu en masse à cette invitation, et c'était que des soirées formidables. De Madras à base de notre tissu bleu carabella. Vous avez des chapeaux, des boîtes à bijoux. Je sais qu'il y a le Bamako, c'est considéré comme le 5e meilleur rhum mondial. Et ensuite vous avez les tableaux de Monsieur Mentor Macarthur. Plein de petites choses qui rappellent Haïti. Des beaux chapeaux, je crois que je vais me prendre un chapeau parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour le bleu. Muriel Greffin La Rochelle. Je suis la gérante de Aïzana. Aïzana, c'est une boutique en ligne qui vend de l'artisanat haïtien. Donc c'est Kessita qui m'a invité à participer à l'exposition. Et donc je vais vous présenter mes sacs qui pour l'instant ça a été un vrai succès. Les sacs ont beaucoup. Le site Aïzana sera bientôt en ligne, ce sera aïzana.com. Mais pour l'instant, on peut nous suivre sur Facebook. On a une page Facebook qui s'appelle Aïzana. Et on a le Twitter aussi, Aïzana Shop. Donc vous pouvez nous suivre, comme ça vous serez au courant de tous les événements. Making sure that my high rolls can move, one of them, right? Okay.